Idexport a quasi bouclé son tour du monde. Tout à l'heure, le grand trimaran coupera la ligne d'arrivée à Ouessant. C'est vraiment des moments exceptionnels avant de retrouver contact avec la Terre et avant le bonheur de retrouver les amis, la famille à Terre. Pendant ce temps, à Brest, les pontons se préparent. Dès hier soir, l'abeille Bourbon faisait de la place. Tandis qu'au bar des quatre vents, déjà, on sentait l'impatience monter. Brest, c'est le port de départ, mais c'est aussi le port des arrivées. Hein. C'est un pays de marins, ici. Hein. Les gens, ils attendent de revoir leurs amis. Ils mesurent en même temps, en le voyant le bateau et l'équipage, ils mesurent l'exploit. Hein. C'est un exploit. À bord, les garçons gardent leurs bonnes habitudes et continuent à faire de l'humour. Il n'y a pas si la fenêtre de lundi, quoi. Est-ce que tu as regardé la météo, du coup, pour la semaine prochaine? On voit dans la semaine prochaine, ça s'annonce bien. Il y a une belle fenêtre mardi, mercredi. Qu'à cela ne tienne, à terre, les filles, elles aussi, s'organisent. Pour nous, c'est super. On a des idées qu'on va partir tout ensemble aussi pour faire la fête. À ce soir, Idexport, tout le monde vous attend. À tout à l'heure, papa.